Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Top Série. Après une longue pause hivernale, on revient avec toujours plus de séries et aujourd'hui, on parle de la sortie de la série la plus marquante du mois dernier, à savoir Black Mirror. On va donc revenir sur les 6 épisodes qui composent cette saison, du moins bien au meilleur. C'est parti! Archangel. Et commençons par l'épisode le plus faible de la saison. Celui-ci, réalisé par Jodie Foster, tourne autour des dérives de la superprotection infantile. Foster donne alors des airs de film d'auteur à son film, détournant du sujet principal pour une histoire familiale parfois un peu lourde, mais tout en restant assez juste dans le propos. Metalhead. Dans cet épisode étrange tourné intégralement en noir et blanc, une femme essaie de survivre face à une horde de chiens métalliques vachement flippants, le tout dans un monde post-apocalyptique. Cet exercice de style surprend, dénote avec le reste de la série, se révèle assez rythmé, mais néanmoins assez faible d'intérêt. Crocodile. Assez controversé, cet épisode a été à la fois très critiqué, mais en même temps bien aimé par les spectateurs. Ici, une femme se retrouve dans une spirale meurtrière afin de cacher un premier meurtre, alors qu'une technologie permettant de lire les souvenirs apparaît. Ici, la technologie est au second plan, surplantée par la beauté des paysages, et la réflexion habituelle perd de son importance en faveur d'une analyse sur la violence humaine. Alors si vous adorez les polars scandinaves, Crocodile risque de vous plaire. USS Callister. Dans cet épisode, Jess Plimon joue un geek un peu méprisé par ses collègues qui télécharge leur esprit dans un monde grandeur nature où ils sont tous réduits à l'état de jouets de son créateur, le tout dans un univers très très Star Trek. Si la distribution est impeccable et la mise en scène plus que correcte, l'histoire aurait peut-être pu être un peu raccourcie, mais l'épisode reste très bon. Hang the DJ. Plus léger, cet épisode nous présente deux jeunes qui participent à une application de rencontre qui estime le temps que doit durer la relation. Remettant en doute les applications type Tinder, l'épisode se concentre sur une histoire d'amour impossible, puis sur des histoires d'amour contraintes. Rappelant San Junipero, il est cependant à la fois moins dépaysant et joue beaucoup moins sur la corde sensible. Black Museum. Cet épisode glaçant fait partie des meilleurs de la série. Sur le même modèle que l'épisode spécial Noël de la deuxième saison, celui-ci imbrique trois histoires débouchant sur une histoire principale. Particulièrement cruelles, les histoires sont parfois très difficiles, mais affreusement réalistes. Et surtout, n'oubliez pas de câliner vos ours en peluche parce qu'ils sont peut-être habités par de vrais êtres humains. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve vite pour un nouveau top. D'ici là, abonnez-vous, commentez, likez, bref, vous avez l'habitude. À la prochaine !